Bonjour, je suis Aurélie et nous allons voir aujourd'hui un maquillage de Noël pour les enfants. Donc ce sera le maquillage flocon. On va prendre du blanc, donc c'est du maquillage à l'eau, et une petite éponge. Alors vous travaillez bien le blanc sur votre main. Et on va l'appliquer à peu près sur tout l'ensemble du visage, en tapotant. Bien faire le coin des yeux. On n'oublie pas le dessous des yeux. Et je tapote là où il n'y a pas de maquillage. Dégradé. Avec le côté propre de l'éponge. Voilà pour notre base de blanc. Continue le maquillage avec du bleu et une autre éponge. Là, on va donner du volume en mettant le bleu sur les contours du visage. Et avec le côté propre de l'éponge, on tapote pour dégrader. Ensuite, vous mélangez un peu de blanc et de bleu pour continuer le dégradé. Donc c'est pareil, on n'oublie pas le dessous des yeux. Je dégrade toujours avec un côté propre de l'éponge. Ensuite, avec un pinceau plat, langue de chat, on va prendre du bleu foncé ou outre-mer
on va faire une virgule au niveau des sourcils. Jusqu'aux tempes. Tout de suite, on dégrade. Et pareil de l'autre côté. Dégradé, on peut reprendre l'éponge et on va faire un trait bleu foncé au-dessus des yeux. Alors, on vous dit à l'enfant de garder les yeux fermés pour que ça sèche un peu avant qu'il puisse les ouvrir. Avec ce même pinceau que je peux nettoyer avec de l'eau, on va faire les flocons de neige. Donc c'est un petit pinceau normal, comme les pinceaux pour peinture. Vous prenez du blanc. Au niveau du front, on va faire trois bâtons au milieu. Et les petites branches du flocon. Ensuite, vous vous amusez à décorer. Et la petite touche finale, les paillettes. Le mieux, c'est les paillettes transparentes, elles sont passe-partout. Sinon, il existe aussi des paillettes bleues, enfin de toutes les couleurs. Penche la tête en arrière. Fais pencher la tête en arrière au modèle. Et une pluie de paillettes. Et voilà un beau maquillage de flocons pour les fêtes qui correspond bien à cette période hivernale. Je vous retrouve sur pratix.com ou sur itmparis.com pour d'autres maquillages. À bientôt !